Bonjour, bonjour, ici Sir Bryson pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode de Trikitawa. Et oui, elle est là. Oui, elle est là. Oui, je vais encore le battre. Oui, désolé, hein, la dernière fois Hello! j'ai. Vous avez Ouais. oublié. La dernière fois, j'ai eu une faiblesse. Oh, elle n'a pas choisi. Qu'est-ce qu'elle a récupéré? Je ne sais pas. Truc avec le long bec tout pointu. Oh. Ah, c'est le pseudo Mog. Le pseudo-mog. Oui, non, Final Fantasy. Oui. C'est ça son nom. Oui, enfin, on appelle ça. On dit plus Moog, mais Mog, c'était. Mog. Mog, c'était plus dans les années 80. Début des années 90, sur les FF3, 4, ils appelaient ça véritablement des Mog. Ah, pas ça. C'est un Mog extraterrestre. Un mode. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Et si tu me crois pas, prends-toi ça dans la tronche. Non, mais j'ai beau me prendre ça dans la tronche, je te crois toujours pas en fait. C'est juste que la glace avec ce vent, ça va pas être génial. Oh là là, ça me touche tout. Ça lui pousse tout. Oh non! Oh. Dit-elle alors que moi j'ai encore ses griffes dans le bras. Oui, parce qu'elle m'a enfoncé les ongles au point qu'il y a un de ses ongles qui est resté dans mon bras là. C'est une façon de faire une manucure. Oui. T'as pas à être méchant. Je suis en train de jouer avec mon bras qui est en train de pisser le sang quand même. Oui, mais c'est comme les couteaux, tant que tu le retires pas, tu saignes pas. Ah bah dis ça à mon bras qui est en train de pisser le sang et on verra ce qu'il te répondra. C'est ça l'idée. Non mais. Alors il me dira encore. Encore un matin. Le cube a quand même réussi à. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Ah! Oh, je viens de voir une pièce tomber qui va tout me. Ah non! Et si. Mais pourquoi? Regardez-moi ça, même la barre. Elle... Oh non, un peu de pelouse. Tu là, m'as envoyé deux fois de la glace. Je sais, mais la glace était gentille. Non, la glace c'est pire que la glace. pelouse. Je sais même pas si je devrais encore. C'est quoi ça? Oh. Alors moi ce qui me fait rire avec celui-là, là, le genre de moulin, c'est qu'il n'est pas très pratique parce qu'il y a un angle. Mais en fait je ne pense jamais c'est qu'il faut le retourner parce qu'au moins c'est plus plat. Oui c'est. Bah oui c'est plat, comme autre chose. J'assume ma platitude. Oui. Tiens, prends un peu de bedouze. De bedouze? Ouais. C'est la mélange entre de la beuh et la pelouse. Oui, c'est quand on trompe les gens en croyant que c'est du bon alors qu'en fait c'est que de la pelouse. Oh, je vais gagner! Oh, t'as une marque! Non, mais je saigne! C'est pas que j'ai une marque, c'est que je saigne! Mais tu sais ce que j'ai si me réconforte? T'as gagné! J'ai gagné! Nananananir. Attends, c'est pas fini. Une petite énigme. Oh, oui. Oh là 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 là. Il y a quoi à faire là-dedans? C'est quoi ça? C'est Wyatt. Attention, attention, mesdames et messieurs. Wyatt. Dans un instant, elle va se planter. Ouais, il s'est planté dedans. Amour, ça s'est croisé. Mais non, mais c'était pas eux. D'ailleurs, pour ceux qui ont la référence, hein, de Amour, chassé, croisé. Mais pourquoi? C'est que vous êtes Regarde. Les meilleurs. Oui, je vois ça, je vois ça. Mais pourquoi? Parce qu'est-ce qu'il t'a pris? Parce qu'il ne t'aime pas. Tu te fiches de moi? Mais pourquoi t'as bondi? Parce que ça arrive. Mais non, mais non, mais non. Ne mêle pas ma mémé à ça, s'il te plaît. Mémé, elle me soutiendrait. Non, mémé, elle rigolerait. Essaye. Ça me fait penser, petite anecdote avec les grands-mères. Ma mère avait acheté pour mon père un petit hélicoptère électrique, là, télécommandé. Et on a mis des heures, vraiment, hein, au moins 2 heures, à essayer de le démarrer, ce machin. Il ne décollait pas. L'hélice tournait, mais il ne décollait pas. Et on était tous, hein, à 5, à essayer de le démarrer. Et à un moment,
Ma grand-mère nous sort. Est-ce que je peux essayer? Puis on s'est dit, bah au point on en est, hein, vas-y, hein, essaye. Hein. T'as bien vu comment nous on est. Comment normalement c'est censé fonctionner. Elle le prend dans les mains. Et en deux, trois mouvements, le truc décolle. Et puis elle le fait aller de gauche à droite, en haut, en bas. Puis elle le fait voltiger dans toute la pièce. Et à un moment, je lui dis, mais comment tu fais? Puis elle se met contre moi. Puis elle dit, voilà, tu prends cette manette, tu fais ça. Puis hop, et hop, et on était bouche bée. Et sinon, elle nous a tout expliqué. Tu regardes les chiffres, là, et tu vois que j'ai gagné. Ouais, mais je sais, mais j'explique mon truc, comme ça j'oublie. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Avec cette petite anecdote croustillante d'un hélicoptère, en fait, sa grand-mère savait jouer de l'hélice. Elle était plus douée que nous, elle nous a appris à l'utiliser. Elle sait jouer avec les hélicoptères? Ouais. Je sais pas si ça aurait été pareil avec elle. D'un autre côté, étant donné que ta mère est née, je n'en doute point. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Tu comprendras avec l'hélice, l'hélicoptère et tout et tout. Et je vous dis à la prochaine. Oh, je viens de comprendre. Bye. Ciao.